Donc s'il le fait comme nous appuie, parce qu'on a des idées, on n'a pas de moyens. Une petite commune comme la nôtre, les idées sont comme ça, mais pas de moyens. Parce que si on avait quand même si on avait dans notre commune quelque chose qui génère les revenus, on pouvait faire beaucoup de choses. Comme à Zoetele, on a un problème d'eau potable. Donc pour vraiment satisfaire la population à 25%, il faut encore 144 points d'eau. Donc l'affaire de l'eau potable, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de maladies. Il y a le problème de route, le réseau routier. On a 249 km de route qui sont vraiment coupées. Donc, si on avait des réalisations qui pouvaient nous générer, comme on insiste sur le cercle municipal, on insiste sur les logements sociaux, on peut insister sur les carrières de sable, pourquoi pas? Parce que si on pouvait nous financer d'avoir une carrière de sable, parce qu'on a le sable partout et du bon sable. Donc il nous faut peut-être deux engins et peut-être trois camions. Si on avait ça, on allait vite rembourser et on pouvait réaliser nous-mêmes ces projets d'eau potable. On pouvait louer peut-être les engins pour le réseau routier. Donc c'est tout ce que nous pouvons aussi solliciter au FECOM. Donc, on a beaucoup de... Au lieu de tendre toujours la main, de tendre, il y a beaucoup de choses qui peuvent générer. Le logement social peut nous donner quelque chose. La construction d'un grand marché central, parce qu'il y a des vivres. Les gens de Zoetele font dans l'agriculture. On les a encouragés, mais comme les routes sont coupées, ils peuvent transporter. On peut faire comment pour commercialiser. Donc, c'est ça. Donc, des petites choses comme ça, peut-être des financements de 200 millions en moins de 3 ans, on peut rembourser et on peut réaliser plus beaucoup de choses pour notre population. Donc, voilà. Parce que ce qui est bien, ce qui est positif dans la commune de Zoetele, c'est qu'on a pu obtenir 65 hectares de terrain au centre urbain. Donc on a notre terrain, on a des sites qu'on peut faire beaucoup de choses, mais la commune est très pauvre. On ne compte que sur les petites CACL. Ce n'est que ça qu'on attend. Donc on n'a aucun projet, aucune réalisation qui peut générer les revenus. C'est seulement les petites boutiques, les vieilles boutiques que vous avez vues en ville. Ça peut donner combien? Ce n'est même pas pour payer le personnel. Ça ne peut même pas payer le personnel. On n'a rien. On a des essences aussi. Il y a des endroits qu'on peut cultiver le maïs. On a 500 hectares de terrain quelque part. On peut faire des cultures, mais il faut des appuis. Parce que nous sommes dans une zone forestière, il faut défricher et abattre les grands arbres pour cultiver. Donc, vous-même, vous avez vu, on essaie de faire. En moins d'un an, on a fait beaucoup de petites choses. Vous avez vu le parking, les parkings? On a vu le parking, on a vu les signalisations aussi, les virages, voilà. 60 km. Donc, c'est comme ça qu'on a essayé, parce que quand on faisait, les gens disaient que ah, dans une petite ville, j'ai dit qu'il faut oser, il faut être ambitieux. Nous sommes ambitieux. Ça va donner ce que ça va donner, mais on a fait. Donc, et ça a décongestionné la ville. Et les gens eux-mêmes qui savent se mettre sur les... Parce que il fallait arriver ici peut-être 6 mois avant, il fallait voir ça, sens dessus. Donc, je crois qu'avec tout ça, on va aller vous laisser pour prendre un petit déjeuner et
On peut jeter un coup d'œil sur le stade, c'est à côté, là, c'est au lycée. Mmh. Et ici, là, il y a trois offres comme ça, les ponts que nous sommes en train de faire. Mmh. Donc, on a déjà presque fini. Il manque seulement les signalisations de part et d'autre, là. Donc, c'était complètement coupé, hein. Il y avait des camions qui sont tombés dans l'eau, là. On a failli avoir les deux autres complètement coupés. Donc, c'est ce travail que la commune est en train de faire à travers l'arrondissement. Essayer de refaire les ponts, de remplacer des madriers qui sont déjà endommagés. C'est ça qu'on est en train de faire. Bon. Okay. Mmh. Les gens viennent de Yaoundé, les gens viennent de Mbalmayo, les gens viennent de partout. Les gens qui viennent vendre et les gens qui viennent acheter les vivres, les bamsalam. Et les gens quittent même le Gabon pour venir acheter. Donc il faut se voir. Ça dit, si vous étiez là samedi, ça allait être, vous alliez voir. Donc Joaïtélé devient un peu comme un carrefour. Oui, c'est pour cela qu'on a, c'est notre souci, c'est d'amener les financiers de venir nous construire un grand marché central. Parce que même le marché moderne là, il n'y a qu'une trentaine de boutiques. Mais si on a un grand marché central, ça peut se transformer en Dubaï. Comme Dubaï a construit en plein désert, c'est ça que nous voulons, mais ça va attirer plus de gens parce que la population de Zoetele fait dans l'agriculture. Hein. Donc il y a beaucoup de vivres les samedis. Donc voilà. Donc là, on va. On va au marché moderne, construit par le fécond. Il peut être présenté chez Petit. Nous sommes là pour la population, c'est la population qui nous a choisis, c'est la population qui nous a placés. On ne peut pas faire des choses qui vont plutôt laisser les blessures. Donc bien non, toutes les sensibilités comme vous vous êtes plein là tout à l'heure, c'est tout à fait normal. On vous comprend, on ne vous critique pas. Non, on comprend, ce n'est pas, c'est pour cela que... Quelques rares personnes. Donc c'est comme ça. J'ai compris maman, c'est pas donc voilà. Vous allez m'excuser mais non, vous avez même le droit, c'est de votre droit de dire maman, maman. C'est comme si c'est moi qui portais. On a déjà expliqué parce qu'on a cherché des stratégies et les gens se rebellent maintenant. On part, on est en train de chercher les choses fortes avec le sous-préfet. J'ai dit parce que si c'était que le sous-préfet. On allait déjà bousculer. Non, il ne faut pas bousculer les gens. Vous voyez comment le marché est désert. Le marché de jolis bijoux construit par les soins du fécond, c'est désert. Et il y a quelques courageuses qui sont quand même venues s'installer. Et il n'y a pas la population parce que tout le monde est encore logé là-bas en bas. Même ceux qu'on a délogés, ils sont encore logés parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de venir passer toute une journée ici sans 100 francs de bénéfice. Parce qu'il faudrait qu'on paye le loyer, il faudrait... Oui, il y a des charges familiales, il y a beaucoup de choses. C'est ça qu'elles sont en train de se plaindre, que maman fait tout pour que ici, là, ça bouge. Donc, c'est les stratégies qu'on est en train de leur dire que quand vous vous plaignez, si vous êtes la population qui nous a choisi, à ce niveau-là, on ne peut pas aussi bousculer, on ne peut pas se lever un jour et bousculer la population comme ça, on va aller doucement. C'est pour ça qu'on leur dit que maintenant, on est en train de faire une forte sensibilisation. On explique, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont la pauvreté mentale. Hein. Donc, si tu n'expliques pas, ils ne comprennent pas. Il y a des catégories de gens que quand ils ont compris, bon, ils acceptent. Il y a d'autres qui ne veulent pas par mauvaise foi. Il y a d'autres que dès que tu expliques, ils viennent. C'est le cas de celle-ci. Dès qu'on leur a dit que c'est ouvert, elles sont venues, elles sont là depuis. Ça va?
Je disais que, hey. Mais je me suis oublié. Il est entré, il m'a signalé. Il m'a signalé que, qu'il est là et il a tourné le dos. Hein? 5 minutes, Marie Colinanda. Il faut, non, on part. Ah, il est devenu photographe. Ils aiment les images. Ils aiment immortaliser. Voilà. C'est les 40 ans. J'espère qu'ils ne vont pas nous taper sur les doigts. Donc c'est ça qu'on est en train de dire. Parce que on était en train de leur dire que voilà, ça va. On a notre bijou. Conduit par le Fécom. Mais on cherche des voies et moyens pour que notre marché moderne soit opérationnel. Parce qu'on avait programmé ça cette semaine qui vient de finir. De finir, ouais. Et qui finit aujourd'hui. Mais on a eu tellement d'occupations qu'on a encore oublié. Donc on a reprogrammé pour la semaine prochaine. On allait faire ça cet après-midi. On vous propose une correspondance qu'on voudrait prendre par rapport au marché moderne. Que le marché de vivre devrait venir ici, que le marché se déporte. Faut comme les mototaxis, non, comme la peinture. Vous faites une correspondance, je répercute et puis à échéance, on le voilà. Donc, ce n'est que peut-être demain qui sera le dernier samedi. Voilà. Mais ça veut donc dire qu'il faut que les correspondances partent aujourd'hui. Ils partent aujourd'hui. Ça, samedi prochain. Le préfet qui appelle encore. Parce que j'ai eu depuis hier, un contrôle qui doit continuer aujourd'hui. Donc, je viens de Yaoundé à 15h. Si je pars encore là-bas, parce que je n'ai pas été présente presque toute la journée hier. Au contrôle. Au contrôle. Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont là. Ouais, jusqu'à la nuit, tard dans la nuit. Vous voyez, parce que j'étais partie à la nuit. Au